Mais n'a pas manqué pour 10 ans d'enfant, ma sans moindre. Si moi tombe dans la ravine, ma n'y a bon Dieu, va trouver en moi. Mais n'a pas manqué pour 10 ans d'enfant, ma sans moindre. Si moi tombe dans la ravine, ma n'y a bon Dieu, va trouver. Comment ça a commencé pour toi, Stéphane ? Je suis musicien, je suis guitariste. Je suis né à La Réunion, j'ai grandi à La Réunion, puis je suis allé faire mes études de musique à Paris, où j'ai recroisé Jean Didier que j'avais connu ici, à La Réunion, pour monter le groupe Transcabar. On fait du maloya, on a été puisé dans la tradition des services cabaret, les airs un peu cachés, les retravailler sous forme de groupe électrique, quoi. Maloya traditionnel, c'est percussion voix. Avec les percussions traditionnelles, c'est un rouleur, c'est un gros tonneau, le kayam, le sati et le chanteur. Et le public, soit le public qui fait les kabars, qui répond au chanteur tout le temps. Donc il y a un effet de transe comme ça qui s'échange entre les musiciens et le public qui répond au chœur et qui répond au chanteur tout le temps. Transkabar explore la transe. La spécificité de Transkabar, c'est qu'on a gardé le code du chanteur qui lead le groupe et qui lead le public. On a gardé tout ce code-là traditionnel, c'est-à-dire qu'on suit la voix, mais par contre, ce n'est pas des instruments traditionnels qu'il y a derrière, c'est une contrebasse, une batterie et une guitare électrique. Et on a fait une musique qui a rassemblé un peu chaque origine, parce que tout le monde n'est pas réunionnais dedans. Il y a Théo et Yannick, c'est des métropolitains, ils ont grandi à Paris, ils sont nés à Paris. Donc ils ne connaissaient pas cette musique-là, donc c'est une rencontre entre des gens qui font, entre diverses cultures, la culture du maloya ici à La Réunion, et puis entre diverses musiques, le jazz, le rock, et la musique traditionnelle que Jean Didier incarne en chantant les airs, avec le kayam. Santos Magos, 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 Santos Magos,
retrouver des sources anciennes. Après, il y a le Maloya, c'est né et ça s'est transmis dans une cérémonie qu'on appelle les services cabarets. C'est des cérémonies pour rendre hommage aux ancêtres où l'esprit, enfin les gens rentrent en transe, quoi. L'esprit prend possession du corps. Et c'est une soirée qui dure de 6h du soir à 6h du matin. Et ce Maloya-là est très répétitif avec ses questions-réponses tout le temps. L'effet de transe, c'est pour amener gentiment les gens vers un exutoire, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a le Maloya format chanson, avec des beaux textes, avec des belles mélodies, etc. Nous, on est plutôt resté dans le côté vraiment très traditionnel. Et on est parti chercher vraiment dans le service cabaret. C'est pour ça qu'il y a ce côté de transe qui arrive assez vite. C'est-à-dire que c'est des airs qui sont faits pour ça. C'est très facile, même si on ne connaît pas la chanson, à récupérer la mélodie, les paroles et pouvoir chanter aussi avec le chanteur. Et on a vraiment travaillé là-dessus, sur cet aspect-là du Maloya, sur cet effet de transe. Après les arrangements musicaux, on a fait en sorte aussi que c'est des petites évolutions qu'on ne sent pas forcément tout de suite et qui au bout d'un moment prennent forme. C'est cette manière-là qu'on a fait de travailler comme. Des croisements avec d'autres cultures, d'autres trans. Mon kayam, c'est le seul instrument traditionnel là, qui reste dans le groupe Transkaba. On a ce croisement aussi et j'ai eu l'occasion de croiser la musique Nawa. Et voilà, moi, dans mon quartier où j'habite, dans les Yvelines, voilà, on a pu partager. Il y a les Nawa, il y a la musique ouest africaine, les Santeria, enfin la musique cubaine. Il y a des liens invisibles, voilà, mais on arrive à les saisir ensemble. Et le confinement, quelle incidence ? Nous, on était en pleine tournée quand le premier confinement est arrivé. Donc, il y a beaucoup de dates qui ont sauté, mais en même temps, ça nous a permis de respirer un peu, tout ça, mais avec une certaine inquiétude aussi. Et après, ça dure depuis trop longtemps. On a trouvé d'autres formes de créativité. On a un label, du coup, on a fait des choses avec le label. Puisque c'était permis d'enregistrer, mais pas de jouer, on a joué avec des gens, on a enregistré de la musique avec des gens. Et ça a permis ce côté-là de continuer à quand même créer quelque chose, quoi. En tout cas, c'était long, quoi. C'est long. Et là que ça reprend un peu et ça fait du bien de retrouver un public debout qui peut danser, qui peut chanter avec nous, tout ça. Parce qu'on a fait quelques concerts où on a eu un petit creux à un moment donné où on a pu rejouer. On a fait quelques concerts, mais tout le monde assis, masqué. C'est plus difficile, quoi, du coup, de rentrer dans cet effet de transe, tout ça. C'est quelque chose de plus compliqué, quoi. Comment se dessine la suite ? Ben là, il y a les concerts qui reprennent un peu. Donc, il y a une tournée. On vient de sortir un nouvel album là au mois d'août. Donc, on va défendre un peu cet album-là sur scène. Puis, on a des nouvelles idées de chansons qu'on aimerait bien creuser aussi, enregistrer et puis sortir, quoi.
culture créole à La Réunion, c'est quoi pour toi ? C'est quelque chose qui est vraiment enraciné, c'est un tout. La culture réunionnaise, c'est la langue, c'est le manger, c'est le fait aussi que c'est une réunion de peuples qui sont venus des quatre coins de la planète et qu'on grandit dans tout ça. Et du coup, on est un petit peu chinois, un petit peu noir, un petit peu arabe, un petit peu blanc européen. On est tout ça. La première priorité, c'est on est tous réunionnais en fait. Et c'est cette chose-là qu'on a envie de défendre nous aussi à travers cette musique-là, c'est de dire bah, il n'y a pas de les classes sociales, la couleur de peau, l'origine, la religion. Il n'y a plus ces barrières en fait, c'est un seul peuple qui, à travers cette culture-là, à travers la musique, à travers la langue, à travers la nourriture, etc. Et c'est ça qu'on veut partager, quoi. Tu as apprécié ce rendez-vous à Lioma ? Moi, c'est la première fois que je fais ça. Peut-être Jean-Didier connaît plus que moi ça, mais moi, je trouve ça super de rencontrer des gens et puis de rencontrer d'autres musiciens aussi, d'autres artistes qui viennent un peu de tout l'océan Indien. On voit une espèce de richesse. Et puis de rencontrer tous les professionnels du secteur, c'est, moi je trouve ça super, super exaltant, quoi. Merci à tous. En conclusion, tiens beau l'Arakpa, tiens beau le corps, tiens beau Maloya, tiens beau pour tout le monde, pour nous toutes.